Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en cette soirée au Quorum à Montpellier où nous allons ouvrir les secondes assises de Med Vallée. Alors un temps de rencontre avec l'ensemble de l'écosystème Med Vallée. Donc si comme moi qui ne savais pas ce que c'était Med Vallée il y a un mois, asseyez-vous, prenez place, on va pouvoir en discuter ce soir. C'est beaucoup plus clair de mon côté, ce le sera beaucoup plus aussi peut-être pour vous d'ici à quelques minutes. Mais Med Vallée, c'est quelque chose qui va nous permettre de débattre d'innovation technologique, évidemment, mais pas seulement. C'est aussi de l'innovation sociale, c'est de l'innovation institutionnelle. C'est une capacité à faire ensemble face aux enjeux et aux défis d'aujourd'hui et de demain. Alors, durant les deux heures que nous allons passer ensemble, on va justement réfléchir à cette nouvelle manière de travailler, plus horizontale, hors silo, en partenariat, comment mettre en musique cet enjeu central de la santé globale, comment fédérer pour mieux innover depuis la sphère académique, institutionnelle, politique, économique, financière. C'est de tout cela dont on va parler, évidemment. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Évidemment, à la fin, il y aura un apéro. On est d'accord. Et donc, on sera ravis de le partager ensemble. Mais comme on a pris un peu de retard déjà, c'est le principe. Je vais vous demander d'applaudir bien fort celle qui est une des ambassadrices de renom de cette dynamique Med Vallée et qui porte par ailleurs le dispositif Boost Invest, un des socles de cette dynamique. Je vous demande d'applaudir Stéphanie Gottliebsé. Stéphanie, bienvenue. Stéphanie, alors vous, on vous connaît parce que vous êtes au-delà d'être docteur en géosciences. Vous avez par ailleurs créé des start-up. Vous êtes au centre d'un écosystème qui est entre la science, la finance, l'entrepreneuriat. Et vous êtes par ailleurs, Stéphanie, ambassadrice Med Vallée. Alors pour les béotiens et béotiennes dont je suis peut-être dans cette salle, Med Vallée, c'est quoi ? Bonsoir Nora. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, j'ai la pression d'ouvrir ces deuxièmes assises. Très, très fière d'être parmi vous. Med Vallée, c'est quoi ? Ben, c'est un magnifique projet initialement, aujourd'hui devenu une dynamique, portée par notre maire président, Michael Delafosse, que l'on remercie, et qui vise à construire ensemble une métropole de santé globale, et qu'elle soit exemplaire, et que ce soit un territoire d'expérimentation à ciel ouvert. L'idée étant que, in fine, les Montpelliérains soient les premiers bénéficiaires, me semble-t-il, de toutes les avancées qui seront issues de toutes nos recherches et toutes les sociétés qui vont développer des belles choses. Mmh. Donc voilà, donc pour cela, on pourrait redire
Ce qui a été dit dans la vidéo. Ce qui a été dit dans la vidéo, donc fédérer évidemment les acteurs pour créer des synergies cross-filières, inter-filières, dynamiser l'entrepreneuriat bien évidemment, en stimulant le développement économique, l'emploi, mais tout ça par l'innovation, beaucoup, ça, c'est quelque chose évidemment qui résonne profondément pour moi, entre laboratoires, mais pas seulement, entre laboratoires aussi et start-up, c'est fondamental qu'il y ait davantage d'agilité entre ces mondes-là. Voilà, donc après attirer, former les talents, développer des infrastructures ad hoc, c'est important, et puis le digital qui me tient également à cœur, qui est un axe transversal pour faciliter la mise en musique, comme vous avez dit, de tous ces développements. Stéphanie, vous êtes ambassadrice de cet écosystème, pourquoi ce choix ? Alors ambassadrice depuis presque 2 ans, j'en suis très fière. Écoutez, bien, comme je viens de le dire, Med Valley, ça reste du coup une dynamique extrêmement ambitieuse que je trouve extrêmement pertinente et qui fait sens pour notre territoire compte tenu des atouts intrinsèques dont on dispose. Mm-hmm. Encore une fois, la vidéo vient de le démontrer. Alors, je suis un docteur en géosciences, donc a priori rien à voir avec la santé globale. En revanche, quand le maire président nous a sollicité pour savoir comment on pouvait et apporter une certaine expérience, il m'a semblé intéressant de réfléchir à comment accélérer, faciliter l'accès aux fonds de nos entrepreneurs, de nos start-upers, et aussi et surtout avec un enjeu de les ancrer le plus vite possible sur notre territoire pour éviter qu'ils ne partent trop vite vers d'autres cieux internationaux. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, mais parce que en fait, le cœur du réacteur, c'est évidemment les financements. On y reviendra notamment sur les medtech. Là, l'objectif, c'est d'aider, de pousser à financer celles qui ont besoin entre quoi et quoi. Voilà. Donc, en tout cas, dans un premier temps, l'idée, c'est de faire ce que l'on sait faire, à savoir de financer les entreprises qui recherchent entre 100 000 et 10 millions d'euros. C'est quelque chose que l'on maîtrise sur le territoire, avec notamment le BIC qui nous aide énormément dans ces domaines-là. On a monté un système que l'on a appelé du coup le Boost Invest, qui est là, qui est un outil pour accélérer, faciliter la recherche de fonds pour nos entrepreneurs. Et ça, de manière claire, ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui viennent à vous, qui montent des dossiers, et le Boost Invest, c'est quoi ? Il y a un tour de table qui permet de labelliser, d'accompagner ? C'est... Il y a des comités, comités d'experts. Donc nos entreprises répondent à un appel à candidature donc, dans un premier temps. Et puis celles qui vont être sélectionnées vont pitcher devant un comité d'experts, essentiellement des experts scientifiques, techniques, mais aussi des experts du domaine de l'entreprise pour analyser la vision globale du projet d'entreprise, évidemment, et sa cohérence. Et à l'issue de cela, eh bien, ils vont être présentés de manière privilégiée à des fonds dits amis de Med Valley que l'on a réussi à regrouper. Et a priori, ces fonds-là vont permettre d'avoir un regard et une considération plus grande, plus forte, plus approfondie sur ces dossiers présentés. Donc là, en fait, on est dans une forme de labellisation, de certification, qui est un accélérateur de particules qui permet d'aller beaucoup plus vite, d'être reconnu aussi par des fonds d'investissement, par des investisseurs qui n'auraient peut-être pas regardé la candidature autrement. Voilà, en tout cas, c'est l'objectif recherché, c'est notre mantra. Essayer de faire en sorte que ce Boost Invest soit un accélérateur d'identification de dossiers d'excellence et que pour les investisseurs, ça accélère effectivement, ça facilite la recherche de dossiers à haut potentiel et hautement qualifiés. Mmh. Voilà. Allez. La métropole, je me permets de compléter du coup, au-delà de l'aspect accélération, le Boost Invest permet grâce à la métropole de mettre en lumière les lauréats qui vont être labellisés et au travers notamment de relations presse, donc c'est très intéressant, c'est pas forcément trivial pour une jeune entreprise, mais aussi de les accompagner sur certains salons nationaux ou internationaux, et là encore c'est très intéressant pour des jeunes entrepreneurs de pouvoir bénéficier de ce genre de soutien, oui, de mise en avant, et de mise en avant, d'exposition, de mise en lumière. Alors j'imagine qu'il y a des critères pour candidater, et parmi eux il faut quand même être un peu du territoire. Voilà. Alors, d'une manière ou d'une autre. Donc oui, l'ancrage territorial est fondamental. Il y a d'autres critères, évidemment, classiques, dans ces évaluations d'entreprise. Les critères de qualité de l'innovation, le niveau de disruption, comme on dit, de l'innovation, la qualité de l'équipe, la qualité du BP, du business plan. Mais ce critère d'ancrage territorial est fondamental. On y veille.
Et cela, ce critère peut être variable selon qu'une société puisse effectivement être native de Montpellier et donc naturellement se développer, chercher des fonds, on va les aider, mais idéalement aussi être exogène et essayer d'attirer des sociétés d'ailleurs venir s'ancrer sur le territoire. Et on a un exemple, bénéficier du coup de cet écosystème dont on parlait. Exactement. Mmh. Et on a un exemple très, très clair qui est un de nos lauréats, NBX Therapeutics. Tout à fait. Qui, effectivement, a choisi de s'installer sur Montpellier, et non pas de... Il aurait très bien pu rester sur la région, dans la région parisienne, puisqu'il est issu de l'Institut Pasteur. C'est un essaimage de Pasteur. Et donc, NBX a décidé de s'installer sur le territoire montpelliérain pour bénéficier de tout l'écosystème sur sa thématique. C'est pas qu'une question de météo et de proximité de la mer, donc. Pas que. Mais ça joue aussi. Ça joue aussi. Mais justement, alors, il y a plusieurs lauréats et donc il y a eu plusieurs comités. Donc, il y a des spécialités dans les comités. Il y a des spécialités sur les medtech, je crois. Et le second ? Sur l'agro-environnement, alimentation. Voilà. Donc, on a eu deux comités medtech, biotech et un comité à ce jour en juin sur la partie agro-alimentation. Et environnement. Et donc, il y a plusieurs lauréats, voilà, dont NBX dont vous parliez, NervoSave, Regent Life, StandUp et Greenphage. Tout à fait. Est-ce que Greenphage est dans la salle ? Pascal Penny. Bonjour Pascal. Vous allez récupérer un micro, Pascal, parce que c'était important pour nous de vous entendre. Pascal, vous êtes l'heureux lauréat du label Boost Invest Med Valley en juin dernier avec Greenphage. Qu'est-ce que cette labellisation, elle a changé pour vous ? Ben, merci et bonsoir. Et bravo bonsoir déjà. À tous. Merci beaucoup. Oui, très fier, très content d'être ici et surtout très fier d'être lauréat effectivement du Boost Invest Med Valley. Ce que ça change, c'est ce que vous avez commencé à expliquer tout à l'heure. C'est une reconnaissance d'un écosystème. C'est un éclairage particulier avec une mise en avant de nos solutions. Nous, on est effectivement dans le secteur des biotech. On conçoit des nouvelles solutions antibactériennes avec des agents naturels pour ceci. Et donc, c'est des marchés de niche hein, pour la plupart, même si on veut conquérir des marchés un petit peu plus larges. Donc, c'est essentiel pour nous d'être connus, reconnus, évidemment. Et puis, on est en pleine levée de fonds. Hein. On ambitionne de monter une première usine à bactériophages, la première de France. Et pour cela, on a besoin d'argent. Il vous faut combien ? Nous, on recherche 2 millions d'euros en fonds propres sur un plan d'investissement total de 4 millions. Et là, c'est essentiel d'avoir, sur ce temps absolument fondamental, d'avoir cet appui-là qui nous permet d'avoir un autre regard auprès des fonds. On l'a déjà senti, ouais, puisqu'on gagne un temps précieux. On est en recherche active de fonds depuis le début d'année sur un contexte qui n'est pas évident en ce moment et on ressent bien qu'effectivement depuis qu'on a ce label qu'on commence à exploiter réellement depuis la fin août, début septembre, on a un autre accueil auprès des fonds et d'autres retours. Ça c'est très précieux pour nous parce que souvent on peut avoir un avis rendu ou pas du tout d'ailleurs, hein, ça peut arriver aussi. Là il est motivé, donc même si le fonds n'intervient pas directement, ça nous fait progresser. Ça c'est hyper important dans cette démarche là. Mm-hmm. Et alors en quelques mots, Greenphage, vous nous avez dit que c'était donc un système de bactéries qui attaque du coup les polluants de l'eau, c'est ça ? Ou alors je suis complètement à côté de la plaque ? Non, bravo, c'est ça tout à fait. J'ai travaillé. Oui, ça se voit. Bravo. Non, nous on utilise les virus qui s'attaquent aux bactéries. Ça s'appelle des bactériophages. Ce sont les prédateurs naturels des bactéries et on les utilise sur des nouvelles solutions. Alors en santé humaine, en santé animale, en santé des plantes, on a des applications déjà. Mais surtout, on essaye d'apporter des nouvelles solutions sur le traitement des eaux usées pour attaquer justement le problème de l'antibiorésistance à la source et éviter que ces bactéries problématiques ne se diffusent largement dans l'environnement. Donc les eaux usées, c'est le principal vecteur de dissémination. Donc nous, on conçoit et on développe des nouvelles solutions de traitement d'eau. Et on en parlera tout à l'heure de ces défis autour de l'eau. Peut-être une dernière question. Montpellier, pour Greenphage, c'est à cause de la météo ? Bien sûr, comme tout le monde. Non, pour être très clair, le projet est né à Lyon, au laboratoire d'écologie microbienne de Lyon, et il est venu s'installer ici pour être accompagné tout d'abord par l'incubateur de l'Institut Agro et le Centre INRA de Montpellier, donc ça c'était les premières briques, et ensuite s'insérer complètement dans cet écosystème innovant et s'installer au sein d'un laboratoire académique, hein, c'était au sein du CIRAD et de l'IRD à Baillarguet. Et ensuite de continuer et de poursuivre sa croissance avec deux grands aspects. Ce
soutien à l'innovation qui est remarquable. On est incubé par le BIC de Montpellier, on est installé à Cap Alpha où on a notre premier laboratoire qui nous permet de gérer toute notre R&D et donc on souhaite installer notre première usine à bactériophages. Et puis aussi ce pôle d'excellence sur l'eau et sur les biotechnologies environnementales. Donc on bénéficie vraiment de ces deux aspects et c'est clairement différenciant et stratégique pour nous d'être ici. Eh ben merci Pascal Penis, je suis merci certaine que d'ici quelques semaines vous aurez peut-être bouclé ce tour de table. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Stéphanie merci. Gottliebsee. On voit bien cet écosystème, mais j'imagine qu'il faut encore le faire grandir, surtout quand on est sur des étiages entre 0 et 10 millions d'euros, mais que pour certaines entreprises c'est beaucoup plus et que là ça se passe plutôt chez nos voisins en Asie et aux États-Unis. Voilà, pour rester déjà sur la première partie, je pense qu'effectivement, il faut rester très humble. C'est un système qui démarre. Je te remercie du retour et j'espère vraiment qu'on va pouvoir continuer à vous suivre et à vous accompagner du mieux possible. Il est évident que le Boost Invest reste à maturer, à faire grandir, notamment sous deux axes, sur la première tranche que l'on sait faire déjà, d'entre 0 et 10 millions, on va dire. C'est déjà d'avoir davantage de fonds d'investissement amis, notamment des nationaux. Essayer de convaincre plus de fonds de venir avec nous dans l'aventure et on aura une force de financement bien plus mature, bien plus efficace et ça nous permettra d'ancrer ces gens-là très tôt sur notre territoire. C'est fondamental de les conserver. Un autre axe de développement serait d'aller plus loin que la première réunion que nous avons eue un peu plus tôt cette année. Au travers des BA, il y a un pool de BA, des business angels, important sur Montpellier. Et je trouverais extrait. Donc, il y a différentes organisations, associations, j'en fais partie. Mais l'idée, c'est que, hormis tous ces vecteurs-là, je trouverais vraiment très intéressant que nous nous réunissions, que nous mutualisions ensemble nos réseaux. Avant tout, nos capacités de financement. Et je pense que nous pourrions devenir un vrai levier de croissance, un vrai relais de croissance pour les entrepreneurs locaux. Mmh. Donc ça, c'est pour la partie, effectivement, sur ce que l'on sait déjà faire. Et c'est fondamental de continuer et de renforcer ce Boost Invest sur ce point-là. Reste, effectivement, la question fondamentale et très importante des sociétés qui vont rechercher des fonds importants, au-delà de 10 millions, 20 millions et plus, c'est compliqué. C'est compliqué à Montpellier, c'est compliqué en France, c'est compliqué en Europe. Et je pense que Medvalley pourrait être un moyen de prendre le lead sur cette réflexion que l'on doit avoir tous ensemble, au niveau local, au niveau territorial, au niveau national, et en concertation avec l'Europe, je pense qu'on pourrait leader cette idée de comment se structurer, comment faire mieux pour conserver nos pépites plus longtemps sur notre sol français. Ouais. Et c'est un enjeu de souveraineté de manière très claire. C'est un enjeu de souveraineté essentiel pour le futur. Merci beaucoup Stéphanie. Toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Le message est passé. Merci Nora. Beaucoup. Merci Stéphanie de nous avoir expliqué ce Boost Invest.